Puisque c'est en se parlant que nos univers fuseront et donneront naissance à un monde plein de compréhension. Quand je repense à tout cela, je me dis que l'amour en est forcément le premier pas. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Paradoxinstop pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Fate 2. Cube, alors qu'il fait un temps dégueulasse. Donc, j'ai pas chômé depuis le dernier épisode. Attention. Surprise. Voilà l'entrepôt où il y aura... Où il y a d'ailleurs... Tinker Construct. Voilà, avec ici un petit endroit où j'avais mis le feu. Bref, donc voilà. Vous allez vous dire, quoi, t'as fait que ça? Non. J'ai aussi bossé sur ceci. Pour ceux qui arrivent à voir ce que c'est une grange. Voilà, donc je suis en train de l'aménager. Donc voilà, ça va devenir une grange. Il y a déjà des animaux qui l'ont exploité. Avec un système de vitres que j'aime beaucoup. Donc vous voyez que normalement, voilà, je peux pas passer dedans. Voilà. Je peux franchir aucune vitre, à part celle-là. Celle-là, hop, je passe pas. Donc, revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attaquer à... J'espère que j'ai mon son qui n'a pas crash. Non. Je pense pas. On va s'attaquer à Tinker Construct pour démarrer. Oh, pour démarrer l'industrie, ça fait du bien quand il pleut plus. Et c'est vrai que Fate 2 Cube, en fait, le défaut de celui-là, comparé aux autres, c'est que celui-là, il y a trop de choses à faire, ce qui fait que je sais pas trop sur quoi partir pour le moment, mais bon. D'ailleurs, oui. Avaria a été rajouté et je crois que c'est tout. Je pense qu'on ira aussi très bientôt, je pense, dans le Nether ou dans l'End. Ah oui, non, il y a aussi Astral Sorcellerie et un mode qui est Qui est... Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. C'est un mode pour jouer avec les planètes aussi. Donc bon. Donc, pour commencer, on va devoir se faire une Steam Dynamo. Donc pour ça, il nous faut une Copper Gear. Bon, ça, pas de problème. Il nous en faut deux. Voilà. Donc bon, vous allez voir que le début, ça va pas être compliqué. On se fait une Steam Dynamo direct? Ouais, ça devrait passer. Bon, question diamant et tout ça, voilà quoi. J'ai envie de dire... Ok, donc pour le moment, on a notre première passe d'énergie. Plus tard, on passera par quoi comme énergie? Plus tard, on passera via... via, je pense, des tesseracts dans... dans un extrême réacteur.
Mais bon, enfin, on n'y est pas encore rendu. Voilà, parce que ça coûte une blinde. Après, on a tout ce qui est... Est-ce qu'on a des wind turbines? On n'a pas de wind turbine. Question de panneaux solaires. Les questions de panneaux solaires, c'est pareil, on n'a pas grand-chose. Oh, classe. Sympa. Enfin, si on a cela. Toujours cela. On peut tenter quelque chose comme ça. Toute façon, enfin, je suppose que pour le dernier. Oh la vache. Je sais pas si ça produit beaucoup ça, on va voir. Donc, encore une fois, il y aura sûrement, si un bâtiment il sera fait hors cam. Oh. Voilà, tu meurs. On va se mettre seul là, voilà. C'est un peu l'endroit où je fous tout mon bordel pour le moment. Bon. Du coup, ça me fait une capacité de 25 RF. Ok. Alors. On va partir sur du Under IO, pardon. Voilà. Parce que Under IO, Stirling General. Ouais, je pense que j'aurais peut-être dû partir là-dessus, en fait. Plus que partir là-dessus, en fait. Ça, c'est de... Ça, c'est de la daube. D'ailleurs, oui, je me suis... Oups. Je me suis fait un petit stuff jams. Je vais pas me le permettre. J'aimerais bien aussi qu'on démarre Avaria. Mais bon, Avaria, faut farmer le Wither, quoi. Moi, c'est ça qui me dérange le plus. J'ai pas de piston. Et un four. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, il va me falloir quoi? Génératrice à combustion. Ça peut être cool ça. Après, est-ce que j'en ai de ça? Je crois pas. Non. Ça, je peux pas me le faire. De l'acier électrique. Moteur à zombies, réservoir, alloy smelter, ça je vais en avoir besoin. Ça va être cool, ça, l'alloy smelter. Trois fours. Et ça. Non. Pour ça, il me faut ça. Excusez-moi si vous avez entendu du bruit. Tac. Bon. C'est du craft. Voilà, c'était long. Mais bon. Pourquoi partir sur le Under IO en priorité? Parce que Under IO, c'est un peu le mode qui va nous permettre de faire les plus gros trafics d'énergie.
J'aime pas quand tu fais pas beau. Stirring generator, ça marche comment? Ok, donc c'est un générateur qui va produire. Ok. Alors, le smelter. Donc, nous, ce qu'on va viser pour le moment, ça va être des conduits d'énergie. Donc, pour nous faire les conduits d'énergie, il nous faut ceci. Quoique, en soi, j'y placerai bien les machines. En soi, non, je vais déplacer une machine à l'intérieur. Je vais placer une machine à l'intérieur histoire que ce soit moins redondant les allers-retours. De toute façon, pour le moment, tant qu'on n'a pas de câble, on va pas pouvoir faire grand chose, a priori. Donc, j'avais rien mis à cuire. Ok. Donc, notre objectif, ça va être de nous faire cela. Donc, ça, comme ça, on fait ça dans la smelter. Et d'ailleurs, ça, on fait ça dans la smelter aussi. Mais bon. Alors. Ça, c'est du fer et de la redstone. Ok. Je peux en faire que 8. C'est pas des masses. Du fer et de la redstone. Du fer et de la redstone. Redstone. Fer. Voilà. Hop, on va en produire pas mal pour le moment. Excusez-moi. Enfin, excusez-moi, mais que dalle, quoi. Hop, allez, vas-y. Hop. Je suis pas un stack de charbon près, honnêtement. Tac, en attendant, on va mettre ça à cuire. Du coup, on va pouvoir avoir nos premiers câbles. Ensuite, on va avoir besoin de ces câbles-là. Ces câbles-là en soi sont tout aussi. Est-ce que j'ai de la glow? J'en ai que deux. Ouais, il va vraiment falloir que j'aille vite fait dans le nether. Parce que bon. Et cela, pour les fabriquer, ça coûte quoi? Ouh, ça coûte deux cela et une enderpearl. Ok. Ok, donc le premier, c'est vraiment très simple. Après, c'est pas compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va avoir besoin de se faire. Donc là, les smelters on l'a, les batteries on s'en fiche pour le moment. Le swag mill. Le swag mill, c'est quoi déjà son utilité? Je sais plus. Utilité. Swag mill. Ouais, c'est un incinérateur en fait. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Fabricator. On va avoir besoin de l'enchanteur, mais l'enchanteur, je sais pas comment on le fait. Ouh. Oh, c'est pas si cher que ça en fait. C'est pas si cher que ça parce que il nous faut de l'opsy. On va essayer de se faire un enchanteur. L'enchanteur, vous allez voir, ça va être très pratique. Si je retrouve. Donc, il nous faut opsy, charbon et fer. Charbon et fer. Comment est-ce qu'on fait du charbon? Non. Oui, ici. Du charbon. De la poudre de charbon. Il me faut un swag mill pour ça. Ok. Donc. Swag mill. Il manque le truc du milieu. Il manque le piton. Oula, j'en ai fait trois.
Et on a notre SAGMIL, ok. On va pouvoir relier tout ça. Je suis content, là, on avance très bien. Même si on dirait pas. Enfin, si ça se voit quand même quand on avance. Mais bon. On va pouvoir mettre le SAGMIL là pour le moment. Alors, donc là il est en train de se remplir. On va avoir logiquement, faut mettre du charbon. Voilà, et là il va me faire de la poudre de charbon. Parfait. Moi, ce que je veux voir maintenant, c'est au niveau de... De lui. Lui se remplit. Donc du coup, on va le mettre... Honnêtement, pour le moment, on va le mettre côté là. Je pense qu'il bougera à terme. Et on va essayer de voir... pourquoi pas essayer de lui passer un câble. Pour essayer au moins d'avoir une énergie fixe. Ok, donc... l'enchanteur... Là. Ok. Merci, j'en ai assez. Il m'en faut 4. Allez-y. Tac. Donc, on va pouvoir se crafter déjà nos premiers petits câbles, logiquement. C'est ça. Tac. J'ai un gros lag du jeu. Bon, ça arrive de temps en temps. Pas gênant. Faut pas te tenir compte. Tant que c'est que de temps en temps. Conduit d'énergie, voilà. C'est cela qu'il me faut. Hop, on en fait un maximum. Voilà. Donc, on en a 16. Je pense que ça devrait être assez. On va aussi essayer de se tenter... On réduit... Pour le moment, on va partir du principe qu'on n'en aura pas besoin. Mais bon. C'est vrai qu'en soit, on aura peut-être dû se faire la Yeta Range. Pardon, j'ai bloqué. Excusez-moi pour le petit lag. Voilà. C'est sûr comment on peut se battre avec notre pelle. Alors, si je place un câble ici, est-ce qu'il est relié? Oui. Attendez, parce que néanmoins... Bon, pour le moment, on va faire un truc dégueulasse. Écoutez. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Oups. Est-ce que je crois que j'ai un moyen de faire ça? Non, il va vraiment falloir la Yeta. Voilà, là ça se recharge. Là ça charge. Et lui maintenant on peut l'arrêter. Voilà, là il est à zéro. Et pourtant, voilà, eux se chargent. Ce qui est plutôt cool.
Donc voilà, donc on a notre première entre guillemets base d'énergie. C'est pas du très haut, mais bon. Non. On va se garder ça pour le moment. Histoire de pouvoir se faire. On va se terminer par l'enchanteur. Non, pas les câbles. Ils sont mes câbles. Là. Après, l'objectif dans la salle du bas, ce sera de se faire des conduits d'objets. Donc, c'est-à-dire qu'on mettra tous nos... Donc, ça, on n'en a plus besoin. On mettra tous nos objets, en fait, dans un coffre de l'End. Et, en fait, de ce coffre de l'End, tout sera redispatché dans notre... tac. Donc après pour la version 2, oui, c'est pas si cher que ça, mais le problème des panneaux solaires, voilà, il est là. C'est que bah justement c'est du solaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de soleil, bah je suis dans le caca. Mais bon. Je peux m'en faire. Quoi, il manque de bois, sérieux. Hop, allez, vas-y, fournis-moi du bois. Quatre. Il manque de quoi? Il manque ça. Tac. Ok, je suis à 12. Tac, on passe directement au niveau 2. Pour les niveaux 3, il me faut. Ok. On va se tenter un deuxième niveau 2, je pense. Peut-être se tenter deux niveaux 2. Oups. On va se tenter plusieurs niveaux 2, je pense. Non. Ça. Je pense qu'on va se tenter plusieurs niveaux 2. 1, 2. Oh, je manque de bois encore. T'es sérieux. Voilà. Hop. Fais tout ce que tu peux. Vas-y, fournis-moi autant que tu peux. Tac, tu peux m'en faire combien? 15. Parfait. Parfait, ça m'en fait 2. Oh, ça me... Vous allez voir qu'avec ça, on va avoir un très bon réseau de panneaux solaires. Bon. Il va encore falloir qu'on augmente nos câbles. Mais bon. Parce que là, clairement, c'est nos câbles qui vont pas tenir. Mais bon. Ah, petit éternuement. Ah, je peux faire un méga solar panel avec ça. 25. Attendez, 25. Je sais pas, j'ai... Je sais pas, j'arrive pas à voir en fait. Si c'est du multibloc ou pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit du multibloc.
Voilà, pour le moment, c'est vraiment foutu à l'arrache. Mais regardez, hop, voilà. Donc on va s'arrêter là. Voilà, là c'est juste histoire de vous faire montrer donc pour la fin de l'épisode. Tout cas, voilà, regardez. Là, on fournit franchement pas mal d'énergie. Je pense. Ouais, ça galère quand même pas mal. Faut dire que lui en pompe pas mal. Ah oui, on va pouvoir se crafter notre enchanteur. On va peut-être s'arrêter là-dessus en fait. Enchanteur, ça. Ouais, lui là il galère. J'ai enlevé ce câble là. Voilà. Comme ça, lui au moins. Voilà, lui il arrive à t'en charger comme il faut. Tac. C'est vrai que je fournis beaucoup d'énergie. Enfin, je fournis pas mal d'énergie, mais pas non plus extraordinaire. Ok, donc là j'ai le dernier qu'en train de cuire. Donc voilà, donc en tout cas, vraiment, vraiment, moi, je vous le dis. Je suis content du renouveau de Fit de Cube. Fit de Cube, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment. Là, le fait qu'on se repasse avec 200 mods et honnêtement. C'était l'autre. Voilà, regardez mon nombre d'FPS. Voilà, je tourne à 100 FPS. Franchement, ça tourne très bien. Fait que c'est plutôt cool. Donc bon, ça m'arrange. Voilà, comme ça tout se recharge. On va se crafter notre crafter, notre enchanteur plutôt. Je parle de plusieurs choses en même temps. Notre enchanteur et on va pouvoir s'arrêter là. Quoi? Attendez. Je sais pas. J'ai pas de cuir, sérieux. Ok. Ok, bon, bah on va faire celui du haut. Celui du haut, je peux le faire simple. Et on a notre enchanteur. Donc l'enchanteur, sa particularité, c'est que. Vous voyez, je peux mettre, je crois, je peux mettre aussi. Ah non, je peux mettre que des objets. Et regardez, sa particularité, c'est que voilà, je peux tout obtenir. XP boost, auto smelt. Auto smelt, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Voilà, donc je peux vraiment tout obtenir, ça c'est pas mal. Voilà, je peux obtenir chute amortie, apnée, aqua infinity. Torrance, tranchant, recul, aura de feu, butin, efficiency, toucher de soi, solidité, mending, ça va être vraiment cool. Avec un bâton d'expérience, je sais pas ce que c'est. D'accord. Fortune, frappe. Flame, Infinity, Chance de la mer, Appa et Soulbound. Soulbound, ça va être méga cool aussi. Même si bon, on a, enfin, ça va être méga cool, mais on a Kipantori, donc bon, on s'en fiche un peu. Bon. Voilà, donc en tout cas, j'espère franchement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un. N'hésitez. Un, deux, un, deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut à tous, c'était Paradox pour ce 10e ou 11e, je sais plus, épisode de notre let's play sur de notre aventure Minecraft sur Fit de Cube. Et je suis content parce qu'on a réussi à commencer. À commencer l'industrie.
Donc bon, c'est plutôt cool. Et donc bon. On verra aussi à peut-être peut-être à démarrer peut-être dans les prochains épisodes on repartira sur quelque chose de plus classique. Et vite fait, le mode que je voulais vous montrer, c'est celui-là, Elemental Dimension, qui a l'air vraiment cool. Je sais pas comment ça marche, mais ça a l'air vraiment cool. Quel mode on s'attaquera? On essaie de s'attaquer à Simple Jetpack. Project E, on va s'y attaquer. C'est un truc de... Ça a l'air d'être un truc de taré. Aussi, quoi d'autre? Oui. IG. Et on essaiera de se crafter l'armure. Avaria. Voilà, j'ai craqué. Je l'ai mis. Ce mode sert à rien. Mais il est cool. D'ailleurs, vite fait, je vais juste regarder un tout petit truc. Je sais pas. Électrique macérateur. J'espère que ça marche. Non. Il va falloir que je me génère de l'énergie de Industrial Craft. Mais le problème avec Industrial Craft, c'est qu'il croit qu'on n'a pas de câble. Mais enfin, si on a des petits câbles, mais bon, c'est un peu de la merde. Mais bon, on verra. Au pire, on essaiera de passer via une alternative. Je suis par exemple pour le Vajra. Non. Non. Voilà. Le Lapotron. Je le craft comme ça. Mais ça. Ok, ça. Ouais, voilà. Et ça. Tac. Ouais, quoi qu'il arrive, en fait, je peux les crafter avec autre chose que du IC2. Donc voilà, j'espère franchement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut à tous, c'était Paradox. Bye tout le monde. Bye bye, allez, coupe du bois, coupe du bois, coupe du bois. Allez, coupe du bois, coupe du bois, coupe du bois, coupe du bois, coupe, 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 coupe.